innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de SEACOM, qui se balade quand même un peu, alors peut-être en Russie, mais en tout cas, là, vous êtes allé en Allemagne, à Cologne. Exactement, je me suis arrêté un peu avant. Un peu avant. Donc, je suis allé visiter Globetrotter. Globetrotter, c'est un peu le décathlon allemand, mais spécialisé dans les sports de plein air. Et ils ont ouvert, en plein centre de Cologne, quartier piéton, un magasin de 7000 m2, qui est un bijou de magasin expérientiel, puisque tout d'abord, l'architecture, il faut imaginer que vous rentrez dans un magasin qui est un immense atrium, une sorte de Guggenheim du retail. Ah oui, non, je vous garantis, c'est à ce niveau-là, dans lequel il y a bourré d'innovations qui vous donnent envie de pratiquer ces sports en plein air. Alors, je vais vous en donner, il y a 6 innovations qui sont des trucs de dingue. La première, d'abord, quand vous arrivez, c'est que vous avez un lac dans le magasin. Et oui, ils appellent ça le lac. C'est une immense piscine en plein milieu de cet atrium, dans cette piscine dans laquelle vous avez un bassin de 4,30 m de profondeur pour faire de la plongée, pour tester tous les habits de plongée. Je vous dis que c'est vrai. Et à côté de ça, vous avez un endroit dans lequel vous avez un élément à remous qui vous fait des vagues pour tester tout ce qui est canoë, kayak, pagaie, etc. Oui, c'est vrai, c'est dans un magasin. On est en plein cœur. Bientôt, vous allez me dire qu'on peut tester les luges aussi. Alors, c'est pas loin, on va y venir. Il y a une grotte à pluie pour tester les caouets, les bottes et tout ce qui est imperméable. Vous avez plusieurs vitesses de pluie, c'est-à-dire vous avez pluie fine, vraiment, vous savez, celle qui vous pénètre. Alors, et puis alors, après, vous avez la pluie tempête, là, vous prenez des seaux d'eau et vous pouvez tester ça. Ensuite, après, s'il y a un véritable mur d'escalade dans lequel vous pouvez tester avec les enfants l'escalade, et j'ai trouvé ça génial, un moment, pour passer du deuxième au troisième étage, vous pouvez aussi utiliser un passage qui est un mur d'escalade pour pas utiliser... Alors, il n'y a pas d'escalator et il n'y a pas d'ascenseur dans ce magasin parce qu'on est dans le sport sportif, quoi. Bah oui. Exactement. Autre élément, vous avez bien sûr une chambre froide avec deux espaces, un endroit très enneigé pour tester par cas, etc. Oui, je vous jure que c'est vrai. Et ensuite, je veux insister, à côté, vous avez un endroit, ça, j'avais jamais vu ça, dans lequel vous pouvez tester les sacs de couchage ou les tentes, et vous avez un écran qui vous explique les déperditions caloriques que vous avez. En fait, vous voyez, vous savez, comme une image thermique pour voir à quelle vitesse vous perdez de la chaleur. Je vous parle très vite du couloir obscur pour tester les lampes de poche, puisqu'on va très vite. Ils ont dressé des tyroliennes à l'intérieur du magasin. Je vous parle pas de la restaurant, des librairies, des agences de voyage. J'ai déjà perdu 2500 calories. Oui, oui, et puis on perd du temps. Et enfin, le cabinet médical dans lequel vous pouvez avoir des informations sur les maladies tropicales et les vaccins que vous pouvez faire ici. Bref, c'est génial. Le plafond lumineux, j'en parle pas, mais c'est magique. Et vous sortez épuisé, mais c'est Cologne, génial. Globetrotter. Merci beaucoup, Rodolphe. Ça s'appelle Globetrotter, c'est à Cologne.